Voici le béni qui vient distribuer les biens de Dieu. Voici le Seigneur élevé au rang de serviteur. Voici le roi qui écarte la puissance et place l'humilité sur le trône. Voici le messager venant porter la parole qui retourne les cœurs. Voici les justes venant conduire les pauvres et les petits jusqu'à la droite du Père. Voici l'amour à nos portes venant solliciter notre accueil. La voici donc, frères et sœurs, cette semaine sainte, une semaine pas comme les autres, celle où toi, Jésus, tu montes courageusement vers Jérusalem. Alors Seigneur, en cette semaine, fais-moi la grâce de rester tout près de toi, que sur le chemin que tu traces devant moi, j'avance sans hésiter, le regard tourné vers toi. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Alors bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. Vous êtes à l'heure. C'est bien. On verra s'il y en a qui arrivent pour la bénédiction. Bienvenue en ce dimanche de la fête des rameaux. Nous entrons dans cette semaine tellement importante, tellement décisive, cette semaine sainte. Nous vivons évidemment cette période incertaine de pandémie où nous ne pouvons pas tout à fait vivre comme nous aimerions, mais c'est déjà un petit peu mieux que l'année passée, puisqu'à la même période nous ne pouvions pas nous retrouver pour les fêtes de Pâques. Alors au moins cette année nous sommes réunis, même en petit nombre, nous sommes là. Nous ne pouvons toujours pas chanter, mais grâce à Serge qui se cache là-bas et à Vincent, nous aurons de la magnifique musique de nouveau ce matin, alors merci à vous. Et puis bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois ou de passage en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Warm welcome to our friends visiting us from different countries. I met some at the door, so be welcome for our service, which will be held in French, of course. But be welcome in the same way. Prions. Avec toi, Seigneur, c'est la stupéfaction. Avec toi, on apprend que la vie est faite pour être partagée comme du pain distribué à tous, comme une nourriture, car sur la terre, on a faim d'amour. Avec toi, on apprend que Dieu est entré dans le pays de la souffrance où sont déchiquetés le cœur et le corps pour demeurer avec les hommes et les femmes qui n'en peuvent plus de leur croix, et les soulager avec ses deux bras déployés, car sur la terre, on a faim d'espérance. Avec toi, Seigneur, on apprend que la joie se lève toujours au petit matin, alors que tout semble terminé, et que Dieu lui-même veille pour qu'à jamais soient roulées de côté et cassées toutes les pesantes pierres de mort, car sur la terre, on a faim d'éternité. Amen. Oh, Seigneur, sur terre.
Seigneur, jamais tu ne corresponds à ce que nous attendons. Toujours tu nous surprends et nous peinons à te reconnaître. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Alors Seigneur, nous te le demandons, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions toujours et encore à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Le Seigneur, par sa venue dans notre ville, dans notre vie, nous redit combien il se veut proche et aimant. Et c'est donc une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance que le Seigneur est un Dieu d'amour et de pardon. Alors oui, que son pardon nous bénisse et que sa parole nous illumine. Amen. Thank you.
Alors elles deviennent comme des refrains sans saveur, des récits sans intrigue, et ta parole se transforme en ressassement. Alors donne-nous ce matin, Seigneur, qu'il en soit autrement. Puisque nous connaissons ce récit de la Passion, maintes fois entendu, puissions-nous alors passer de l'ennui du ressassement au délice de la répétition. Et j'aimerais que, semblable à une musique dont les variations s'appuient au long de la même mélodie, ta parole devienne et redevienne la tonalité profonde de ma vie, si bien que mes variations infinies s'inscrivent dans le rythme de ta révélation. Oui, une nouvelle fois, nous te le demandons, Seigneur. Ouvre nos cœurs aux merveilles, aux délices de ta parole. Amen. Ce matin, jour des rameaux, début de la Semaine Sainte, nous allons bien entendu réentendre le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous entendrons ensuite en écho deux autres textes. Évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un anneau attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet anneau ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amènent l'anneau à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les douze. Matthieu 7, les versets 7 à 11. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur,
la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'aime beaucoup ce texte des rameaux de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un texte qui est presque plus à, j'ai envie de dire, à voir qu'à entendre dans la scénographie. Il semble parfaite. C'est comme si Jésus avait presque mis en scène cette entrée de manière comme ça, aussi visible et charmante. Après tout, il aurait pu entrer discrètement, à pied. Tout est là, la foule, les cris de joie, le tapis rouge fait de vêtements et de branchages. Mais les lecteurs avertis que nous sommes, nous voyons bien qu'au-delà de l'apparence de ce qui se voit, de ce qui laisse paraître, nous voyons bien qu'il faut nous mettre en mode, j'ai envie de dire, lecteur de signes. Lecture des signes, parce qu'on perçoit bien que rien n'est anodin dans ce récit. On est loin d'une entrée triomphale de César ou de quelque empereur sur son cheval, éléphant ou chameau. Mais l'âne, cette âne, figure presque centrale du récit des rameaux, bien que soulignant la modestie de celui qui le monte, c'est néanmoins un signe royal. En voyant arriver Jésus monté ainsi sur cet ânon, on ne peut pas ne pas penser, en lecteur averti, à la prophétie de Zacharie. Je vous la relis. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Oui, Jésus arrive bel et bien comme un roi, en dépit de sa modeste monture, ou plutôt en raison de sa monture.
il arrive comme un roi, mais un roi de douceur et de paix. Ah, si la foule avait pu lire les signes, comprendre ce qui se jouait, se souvenir de la prophétie de Zacharie. Car roi, Jésus accepte de l'être jusqu'à la croix. Il aura même droit à l'inscription, le roi des Juifs. Mais il y a un décalage entre ce que Jésus essaye de dire à travers l'image de l'anneau et l'attente messianique du roi politique que porte la foule et la manière avec laquelle la foule le célèbre. Les Rameaux, c'est vraiment la fête du grand malentendu, où l'on sent très vite poindre le tragique sous la liesse du jour. Car on voit les prémices de cette incompréhension qui va conduire à la déception et qui va ainsi pousser la foule à se sentir trahie jusqu'à la rupture tragique. Malgré la symbolique de l'anneau et malgré le fait que voir quelqu'un arriver sur un âne et qui plus est un anneau petit donc, qui dodeline, qui traîne un peu les pieds par terre, c'est pas l'image la plus resplendissante, c'est pas très classe. La foule n'en a qu'une. La foule est toute à sa joie et à ses aspirations et la foule sort le grand jeu. Et c'est vrai que les attentes de la foule sont élevées. La réputation de Jésus le précède. Il a fait de nombreux miracles. Il parle avec autorité. Alors la foule voit dans Jésus celui qu'elle attend, son sauveur, celui qui va les sauver, c'est-à-dire les libérer. Les libérer des Romains permettent le retour du grand Israël, du roi David. Et la rapidité et la violence de la déception seront à la hauteur de cette attente déçue. En 5 jours, tout s'écroule. Aussi vite la foule a été prête à s'enflammer, aussi vite déçue, se sentant trahie, elle abandonne son héros sans ménagement. Mais ne jetons pas trop vite la pierre à la foule. J'aime cette foule des Rameaux. Il y a quelque chose de beau dans cette foule heureuse, joyeuse, qui acclame son Seigneur avec des hosanna qui viennent du fond du cœur, plein d'allégresse. La foule est joyeuse, elle est sincère. Et sa joie est contagieuse et nous aurions certainement à apprendre de cette foule. Sommes-nous prêts, nous aussi, à exprimer la même joie, la même attente devant le Seigneur, les mêmes cris de joie en ce début de semaine sainte qui est tellement importante pour nous. Il y a quelque chose de beau et de communicatif dans cet enthousiasme et en même temps, on le sait bien, la foule, qu'elle soit politique, sportive, religieuse, le risque est toujours grand que nous perdions notre identité dans une telle foule. Et le propre du disciple, c'est précisément de sortir de la foule. Il est intéressant du reste de noter que lorsque Jésus veut guérir quelqu'un, souvent il le sort de la foule, il le met à part, le met de côté pour qu'il soit vraiment touché très personnellement. Alors il faut peut-être faire une distinction entre le peuple et la foule. Nous sommes appelés à devenir un peuple. Un peuple de croyants, solidaires, attentifs les uns les autres. Nous ne pourrons jamais être croyants tout seuls dans notre coin. Mais un peuple uni dans la diversité qui le compose, c'est autre chose qu'une foule où l'on peut se perdre dans l'anonymat. Devant Dieu, nous ne sommes jamais anonymes. Mais le problème de cette foule joyeuse, cette foule des Rameaux, c'est qu'elle n'est apparemment pas prête à se laisser, comment dirais-je, bouger, déranger,
dans ses aspirations. Elle sait ce qu'elle attend et attend précisément que Jésus réponde à cette attente. D'autant plus que cette attente, la libération, est une attente ancienne. Elle est légitime, elle est profonde, elle est sincère, elle est raisonnée. Or voilà que les choses ne vont pas se passer comme espéré. Mais nous devrions le savoir depuis le temps. Personne ne peut entrer dans notre vie sans y mettre une forme de désordre, d'ébranlement, sans bousculer un peu les choses. Et on le voit très simplement dans notre vie et souvent pour notre bonheur, quand nous nous mettons en ménage, quand nous accueillons un enfant dans notre vie, quand des amis débarquent. Cela change forcément nos habitudes, bouscule notre manière de vivre. C'est inévitable. Et j'ai envie de dire, à plus forte raison encore, quand c'est le Seigneur lui-même qui vient à notre rencontre. Or, tout à son euphorie d'accueillir son roi, la foule ne semble pas prête à se laisser déplacer ou remettre en question. Aujourd'hui, je crois qu'il est bon pour moi de me réjouir avec le peuple des croyants devant la venue du Christ, le rappel de cette semaine sainte tellement décisive pour notre foi, et en même temps, je dois sortir de cette foule pour oser un face-à-face peut-être plus personnel avec Dieu. Et alors, dans ce face-à-face, je dois me poser cette question. Suis-je prêt à me laisser déranger? Suis-je prêt à me laisser contrarier, ébranler par celui qui vient à ma rencontre? Ou pour le dire autrement, suis-je prêt à accepter que Dieu ait peut-être d'autres aspirations pour moi que les miennes, et donc prendre le risque que Dieu me déçoive? L'Évangile nous le révèle. Dieu est là, proche de nous, à notre écoute. Il est prêt à abandonner 99 brebis pour venir à notre secours. Il nous encourage à le prier, à le solliciter. On l'a réentendu avec ce beau passage de Matthieu, « Demandez, on vous donnera. » Alors à juste titre, on s'attend à ce que Dieu soit attentif à nos demandes et à nos besoins, surtout si nos besoins sont légitimes, profonds. On attend donc que Dieu réponde à nos aspirations les plus personnelles, les plus légitimes. Et pour la foule des rameaux, c'est une évidence, on l'a dit, l'attente la plus fondamentale, c'est que le Messie vienne libérer. Or, ce Messie-là va les décevoir. Il ne vient pas pour cela. Il y a mal d'homme. Il y a mal entendu. Et nous, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous lui remettons nos aspirations, encore une fois les plus profondes, pas fantaisistes ou légères, mais des choses profondes qui nous touchent dans la vie, ne risque-t-on pas nous aussi d'être parfois déçus par le Seigneur? Et j'ai presque envie de dire que plus mes attentes sont élevées, plus le risque est grand d'être déçu. Ou alors faudrait-il mieux limiter nos attentes à des attentes plutôt simples, de manière à moins risquer d'être déçu? Mais alors, quelle image cela renverrait-il de Dieu? Un Dieu qui peut bien nous donner un petit coup de main dans les petites choses de la vie, mais qui est inopérant pour combler nos grandes aspirations? Non, cela ne semble vraiment pas coller avec la promesse du Christ. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Et nous avons raison de croire à ce bel encouragement que le Christ nous donne, d'oser demander. Alors l'autre jour, nous évoquions avec mes catéchumènes la problématique de la souffrance en lien avec la question de Dieu. Et l'un d'eux, quand on était effectivement confronté à cette question,
L'un d'eux a eu cette belle sortie quand il a dit, dans le fond, Dieu n'est pas là pour résoudre tous nos problèmes, mais il veille sur nous. J'ai trouvé très subtile cette nuance. Non pas attendre de Dieu qu'il se comporte comme un magicien ou une forme d'automate qui réponde à toutes nos prières, mais avoir cette confiance profonde que Dieu veille, veille sur nous, en reconnaissant, comme le dit la Bible, que ses voix ne sont pas nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors oui, je peux tout demander à Dieu. Je peux le prier, je peux lui crier ma détresse, lui remettre ce qui me travaille le cœur, mais je ne peux pas lui dicter sa réponse. Et donc, je dois être prêt, d'une certaine manière, à être déçu, ou en tout cas ébranlé, à l'image de la foule des rameaux. Mais cette foule des rameaux, si on comprend sa déception, en même temps, on a envie de lui dire qu'elle s'est peut-être emportée un peu vite, qu'elle n'a pas pris le temps du recul, du discernement probablement subtilement manipulé qu'elle a pu être par les grands prêtres. Car, finalement, ce que le Seigneur est prêt à lui offrir n'est pas moins, mais plus que ce qu'elle demandait. Car la foule demande la libération, elle va recevoir le salut. Comme on dit, au-delà de l'aversoir, elle aurait dû être déçue en bien. Et cela me fait penser aussi à cette histoire du paralytique. Vous savez qu'on descend à travers le toit pour le mettre aux pieds du Seigneur, qui n'a probablement qu'une aspiration et qui est celle de retrouver l'usage de ses jambes, qui va effectivement être guéri, mais il va découvrir que dans cette guérison, il reçoit bien plus que cette aspiration pourtant légitime de pouvoir à nouveau marcher, quand le Seigneur lui dira « Tes péchés sont pardonnés », comme pour lui dire que ce n'est pas seulement la mécanique de ses jambes qui va être relevée, mais toute sa vie profonde. À l'image du Christ qui entre à Jérusalem, le Seigneur ne cesse de vouloir se faire proche de nous, proche de notre réalité de vie. Mais je ne peux le vouloir aussi proche et prendre de la place dans ma vie sans que cela, d'une manière ou d'une autre, chamboule ma vie. Alors suis-je prêt ce matin, à l'orée de cette semaine sainte, suis-je prêt à me laisser ébranler, ou suis-je comme la foule qui crie haut et fort sans prendre le soin et le temps de discerner les signes, ce qui éviterait tout malentendu et attente déçue? Oui, ou alors suis-je prêt à accueillir le Christ qui vient, à lui faire confiance, lui qui finalement me connaît mieux que moi-même je ne peux me connaître, et qui, au-delà de mes attentes immédiates, connaît ma vie et veille sur moi, comme le chante si bien ce sublime psaume 139. Tu m'as scruté et tu connais. Tu surveilles ma route et tous mes chemins te sont familiers. Tu poses la main sur moi, mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Magnifique psaume 139, qui chante cette connaissance que Dieu a de notre vie intime, de notre vie profonde, et qui nous redit son infinie proximité. Alors si nous attendons humblement que Dieu veille sur nous, alors nous ne serons jamais déçus. Car ce Dieu fidèle nous en a fait la promesse, il ne nous laissera jamais tomber. C'est bien ce qu'il est en train de nous rappeler en cette semaine sainte, où il est allé jusqu'au bout de l'amour, quitte à décevoir les attentes de la foule, même légitime. Car ce Dieu-là, comme l'a si bien écrit saint Paul aux Éphésiens, il peut infiniment plus que ce que nous imaginons ou concevons. Alors oui, laissons-le entrer dans notre ville et dans notre vie
Celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. À lui, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles, la gloire. Amen, écrivait saint Paul. Oui, amen.
Nous croyons en toi, Seigneur. Étrange Seigneur, grand et inaccessible, qui t'approche de nous comme un frère à égalité de vie, à égalité de mort, et qui marche avec nous à travers nos rudes ravins et dans nos poussières humaines. Nous croyons en toi, Seigneur, étrange Seigneur. Éternel et adoré, qui t'emporte contre l'argent, les privilèges, les hypocrisies et les pratiques sclérosées qui envahissent les cœurs et les religions. Nous croyons en toi. Seigneur, étrange Seigneur, qui revêt le tablier des serviteurs, qui tombe sous les coups de la haine, qui crie de solitude, qui est jeté dans la terre et qui germe comme un fruit hors saison. Nous croyons en toi, Seigneur, étrange Seigneur, aux étranges manières. Et notre foi en toi est la persistante musique qui relève notre vie. Amen. Partout la violence semble avoir le dernier mot. Qu'il est difficile de croire que tu veux pour tous la vie en abondance quand tant d'hommes, de femmes, d'enfants sont écrasés par le malheur ou la misère. Qu'il est difficile de croire en toi quand tout se passe comme si tu étais absent. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces lieux où l'obscurité de Vendredi Saint est quotidienne, où l'injustice à laquelle tu as été confronté est la norme, où la violence de la croix
fait souffrir tant d'hommes. Apprends-nous à vivre avec nos questions, à avancer malgré nos doutes et à nous tenir dans la foi qui permet de guetter. Inlassablement la lumière pour soi, pour les autres aussi, car nous marchons en caravane. Et devant nous, le premier, celui que tu as retiré de la vie, relevé par un amour plus fort que la mort, Jésus-Christ, mort et ressuscité, en lui notre espérance. Et toutes nos prières, nous les réunissons maintenant dans celle qui nous a appris et qui fait de nous des frères et des sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration. Toujours et encore, je ne peux pas vous inviter à l'après-culte qui nous aurait fait bien plaisir, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Je vais pouvoir vous inviter aux prochaines célébrations pendant lesquelles la Sainte Cène sera célébrée. Et voilà, je pense que nous sommes nombreux à attendre ce moment avec impatience. Ça fait bientôt une année qu'on n'a plus pu vivre ce moment. Alors il y a tout un protocole un peu sanitaire compliqué. On n'est pas encore prêts demain à se rompre le pain les uns pour les autres et à boire tous à la même coupe. Mais nous pourrons vivre la Sainte Cène dès jeudi saint et c'est une bonne nouvelle. Donc cette semaine, il y a beaucoup de rendez-vous évidemment dans cette semaine sainte. Vous avez tous les soirs à la chapelle de Champel dans notre région à 6h30 un temps de recueillement. Le jeudi, il sera aussi célébré la scène dans ce recueillement de Champel à 6h30. Sinon, la prière de jeudi midi ici, évidemment ce sera jeudi saint aussi. Donc nous avons une prière tous les jeudis à midi et demi. Et ce jeudi, semaine sainte, nous célébrerons là également la Sainte Cène à la chapelle des Maccabées. Et sinon, vous avez les traditionnels cultes de Vendredi Saint et de Pâques dans les différents temples du canton et de notre région, évidemment ici à Saint-Pierre Vendredi Saint et à Pâques aussi à Champel aux Eaux-Vives. Voilà. Nous aurons le plaisir de participer à l'offrande. J'ai pas pensé à le dire avant le dernier cantique de tout à l'heure, donc je vous propose que l'offrande soit recueillie pendant le dernier jeu d'orgue que nous entendons dans un moment. On est un peu changé aussi dans nos habitudes avec ces chants qu'on ne peut pas chanter, mais merci infiniment, un grand merci à Serge, à Vincent pour la belle musique, à Colette et à Georges pour avoir participé à la liturgie. Voici les paroles d'envoi et de bénédiction. Je vous invite à vous lever. Fils de Dieu, Jésus, déposant la condition divine, tu passes la porte de la condition humaine et tu entres définitivement en notre demeure de la terre. Grâce te soit rendue. Christ Jésus, abandonnant le trône du Très-Haut, tu passes la porte basse de l'absolu dépouillement. Tu déposes dans la poussière où séjournent les petits la glorieuse condition du Seigneur pour endosser la condition agenouillée de serviteur. Grâce te soit rendue. Christ Seigneur, tu passes la porte de notre fragile condition de faiblesse et de mort afin de rester avec nous, frères, de chaque jour et de remettre en nos mains la plénitude de l'amour de Dieu, de nous élever avec toi à la divine condition d'enfant bien-aimé. Grâce te soit rendue. Et que la bénédiction de ce Dieu d'amour nous conduise aujourd'hui à travers
toute cette semaine sainte les délices de partager le repas du Seigneur aux ténèbres de vendredi saint jusqu'à cette douce lueur du matin de Pâques. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans sa paix avec cette confiance que quoi qu'il advienne, Dieu veille sur nous. Amen. Thank you.